Depuis deux jours dans le centre de Saint-Pierre, ces artisans sont en chantier. Pose de dalles, de volets roulants, les ouvriers se croisent mais gardent leur distance. Les masques, si on peut mettre les gants, on les met. Puis bah, éviter le contact, bien se laver les mains. Puis voilà, se rincer avant de sortir de chantier, à la maison pareil, tirer les linges avant de rentrer dans la case. Raison économique contre raison sanitaire, l'équilibre est parfois difficile à trouver. Allez. Jonathan ne se sent pas vraiment en sécurité. On ne sait pas où ça va en venir et puis jour au jour on entend des nouvelles qui tombent et puis ça fait... Manque d'informations, vous êtes un peu inquiet quoi quand même. Ouais. Vous allez continuer à travailler combien de temps comme ça? Bah là pour moi, mon contrat va se finir à la fin du mois mais je sais pas si ça va être renouvelé vu les circonstances. Lui a choisi de mettre son chantier à l'arrêt. Jean-David Delnard est entrepreneur et arrête la construction de cette maison individuelle dans les hauts de Montvert. Conséquence, trois ouvriers au chômage partiel, mais en refusant de mettre ses employés en péril, le patron a mis en avant l'humain. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas forcément parce qu'ils ont envie de travailler, ils aiment le travail, c'est compliqué pour eux de rester chez eux, mais je leur explique. Ils feront ce qu'ils veulent, je suis responsable d'eux. Tant que j'estime que leur vie et la vie de leur famille est en danger, ils ne viendront pas travailler. Je prends mes responsabilités. Une vie ne vaut pas de l'argent. Entre la chaleur, l'impossibilité des ouvriers de se laver régulièrement les mains et les contacts liés à la transpiration, les conditions de travail des ouvriers ne les protègent guère. À la réunion, avec l'arrêt du secteur, les patrons du BTP comme Jean-David refusent la reprise des chantiers exigés par le gouvernement.